Est-ce que vous savez chez Dieu, c'était Joseph qui était le premier-né. Vous savez, c'est Joseph qui est le premier-né. Dis-moi alléluia. Alléluia, Jacob a fait le programme d'épouser qui? Jacob, Rachel. S'il avait épousé Rachel, Rachel le premier-né c'était qui? Joseph. Mais il connaissait tout de Rachel. Rachel dit, il connaissait sa beauté. Et il connaissait sa démarche. Et il connaissait son sourire. Et il connaissait la manière dont elle prépare. Et parce qu'il a fait 7 ans là. Et il a pris tout le temps et de schématiser Rachel. Rachel, dans son esprit, même s'il dort, si on lui dit qui est Rachel, il pouvait tout dire. Mais il a oublié une seule chose. Genèse 29, verset 26. Là-bas dit, là-bas, Nino, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Certaines versions disent, ce n'est pas notre manière de faire dans cette région. Dans notre région ici, il y a une loi. Quelle était la loi? La deuxième fille ne se marie pas avant la première. Si Joseph avait su ça, il avait négocié pour que quelqu'un prenne Léa. Pour qu'il épouse Rachel. Mais il ne savait pas qu'il y avait une loi. Il ne savait pas que la lumière peut se lever. Le soleil peut se lever. Mais une autre loi viendra arrêter le soleil. Qu'il allait épouser Rachel. Mais il ne savait pas qu'il y avait une autre loi qui était là. Et tout le monde. Et Jacob. Bon, Jacob n'avait pas fait le programme de devenir polygame. Et blotito me domina Daniel Wedaya. Voyez ce que la méconnaissance de la loi fait. Mi monwe sematu rena wahame. Jacob. Oh Jacob n'avait pas fait le programme. Et blotito me de devenir polygame. Domina yonu wedato abi yonu wedato. Son grand-père était polygame. Oh dagoto e yonu wedato. Et même son grand-père Abraham n'avait pas fait le programme. Il a épousé une seule femme à cause de la stérilité. On lui a donné une deuxième femme. C'est vrai, il a chassé la femme. Est-ce qu'il a eu deux enfants de deux différentes femmes? C'est terminé. Il a écrit une loi sans le savoir. Isaac a tout fait pour résister. Mais il a oublié qu'un combat que tu évites, laisse ce combat aux enfants. Il n'a pas pu couper le lien.
Mais il l'a évité. Et il est resté sur une seule femme. Mais le combat est venu sur Jacob. Jacob aussi qui n'avait pas fait le programme. Mais il a méconnu la loi. On lui a donné Léa. Après, il a pris Rachel. Ça fait deux femmes. On, Léa lui a donné sa servante. Troisième femme. Rachel lui a donné sa servante. Quatrième femme. D'une seule femme. Il est allé à quatre femmes. Pourquoi? Parce qu'il a méconnu la loi qui prévalait. Mais Dieu avait prévu toutes choses et il a recorrigé. C'est pourquoi Joseph était le 11e. Mais c'est lui qui rêvait de diriger tout le monde. Parce que tu pouvais venir après. Mais c'est sur toi la grâce se repose. Ainsi je prie pour toi ce matin. Quelle que soit la position que tu occupes dans ta famille, que la grâce de la prééminence, la grâce de la prééminence, de